Richard. Ça va pas, Vic? Je t'avais prévenu, non? Mais tu es ma femme. Oh, ça suffit. Je l'ai vue. Près du parc. Mais il faudra faire attention. Prendre moins de risques. Franchement, on s'en fout des risques. T'en as autant envie que moi. Je le sais. J'ai des envies, moi aussi. Seulement, j'ai des goûts différents, c'est tout. Trouver quelque chose. Regarde. Il y a un mec qui nous mate. Où ça? Là, en face. Ouais, je crois que je l'ai déjà vu, ce bouffon. À ton avis, c'est quoi son genre? Porc ou pervers? Il n'y a pas de différence. Ce qu'il te faut, c'est un bon repas. Il faut vraiment que tu reprennes un peu de poids. Je parie que les rats mangent mieux que nous. Les rats sont pas difficiles. Mais toi, t'as des goûts de luxe. Ça serait bien que tu manges sainement de temps en temps. J'ai grignoté au club. Avec qui? Gilles et d'autres copains. Et quoi de neuf? Rien, comme d'habitude. À part ça, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Je suis allé au parc. Et? Elle était là. Et lui aussi. Il est toujours avec elle? Non, souvent. Il la laisse seule l'après-midi. Ça rapporte plus. Tu iras demain en sortant du bureau? Je partirai tôt. Qu'est-ce que je fais de bon pour le dîner? Comme tu veux. Je doute qu'elle fasse la difficile. Elle mangera comme toutes les autres. Sauf cette garce qui n'aimait pas le poisson. J'avais mis des heures à préparer cette sole. Pour cette petite vermine ingrate. De toute façon, si elle veut faire la difficile, on l'enverra au lit sans manger. Je vais me coucher tôt ce soir. Bonne nuit. T'es tout gras. Je vais aller me laver. Ne tarde pas trop. Et ne me dérange pas, j'ai besoin de sommeil. J'en ai pour une minute. Bonne nuit, chérie. Vic? Ouais? Tu te dis jamais que c'est mal? On s'amuse un peu. On leur offre un repas gratuit et un peu d'argent. On ne leur fait pas de mal, enfin, presque.
mec, j'ai pas la monnaie. Tu peux tout garder. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis pas une pute, tu sais. J'espère bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est Richard. Richard Gull. Sauron. Je voudrais juste te poser une question. Tu connais Jésus? Non, pas personnellement, non. Lui, il te connaît. Ouais, mais il y a plein de gens sur Terre. Il peut pas s'occuper de tout le monde. Écoute, ma femme et moi, on aime donner un coup de main à ceux qui ont eu moins de chance que nous dans la vie. Un repas, un bon vin chaud, quelques billets en poche. Et peut-être même un peu d'optimisme. On se plaît à croire qu'on transmet un peu d'espoir à ceux qui croisent notre chemin. C'est pas grand-chose dans un monde aussi cruel que le nôtre, mais c'est déjà ça. Toi et ta femme? Victoria, tu vas l'adorer. Elle est merveilleuse. Classe, la caisse. Le Seigneur a été bon envers moi. Carrément. Et ça, c'était un cadeau? Ou tu vas devoir le rembourser? Sache que ma femme et moi croyons sincèrement en Dieu. Et j'aimerais beaucoup que tu respectes notre foi. Oui, oui, désolé. Mais ne le sois pas. Profitons plutôt des joies que Dieu nous apporte, d'accord? Chérie. Salut. Je suis Victoria. Sauron. Je crois que ça veut dire chagrin. C'est original comme nom, mais absolument charmant. Merci. Alors, comment ça se présente en cuisine? Très bien, merci. Mais peut-être que Sauron voudrait se rafraîchir avant le dîner. Richard va te montrer la salle de bain. Fais comme chez toi. On aura le temps après, on pourra papoter. Je suis vraiment ravie de faire ta connaissance. C'est pour toi. Merci. Surtout détends-toi et profites-en bien. Tu peux te servir de tout ce qui est là. Et prends ton temps, le repas n'est pas encore prêt. Vic a fait de l'agneau, tu aimes? Ça me va. Alors, bonne baignade. Oh, on s'est dit qu'une petite collation te ferait plaisir en attendant de passer à table. Une quoi? Un verre de vin. Ah, d'accord. Merci. Alors, ça avance? Ce sera bien trop bon pour elle. Une vraie souillon. J'en croyais pas mes yeux. Mais à part ça... Elle est parfaite. Tu t'es bien débrouillée. Je me sens comme une petite fille un matin de Noël. C'est vrai. Mais les vilaines filles n'ont pas de cadeaux. Sauron? Ouais? On passe à table. Cool, je me dépêche.
Parfait, j'ai hâte que tu goûtes. Nous te remercions, ô Seigneur, pour ce repas que nous allons déguster. Nous te remercions aussi d'avoir conduit Soro jusqu'à notre porte. Tu es un berger bienveillant qui protège tous les membres de son troupeau, même les plus égarés. Ça a l'air délicieux. J'espère que Soro appréciera. J'ai pas très faim, en fait. Tant pis. Mange ce que tu peux. Richard, resserre du vin notre invité, tu veux ? Et vous ? Vous en prenez pas ? Non, on ne boit jamais. Mais pourquoi priver nos invités ? Vous savez pas ce que vous ratez. Tu sais quoi ? Sers-toi quand tu veux. Et si tu me racontais comment tu en es venu à vivre dans la rue ? N'aie pas peur, tu peux me faire confiance. J'ai déjà entendu beaucoup d'histoires de ce genre. Certaines étaient carrément choquantes. Ça, c'est vrai. Richard a tendance à se montrer trop sensible. Mais j'admire les hommes qui n'ont pas honte de pleurer. Mon père me disait souvent que c'était une mauviette. Les hommes, c'est plus ce que c'était. Y a pas grand-chose à raconter. Ne sois pas timide. Tu te sentiras mieux quand tu auras vidé ton sac. C'était quoi ? La drogue ? Ou est-ce que papa se glissait dans ta chambre le soir pour tirer son coup ? Je parie que c'est ça. Petite coquine. Allez, bois encore un petit verre. Je crois que ça monte un peu à la tête. De quoi tu te plains ? Tu risques pas de trouver ce genre de cru dans ton quartier. Est-ce que tu bois beaucoup d'habitude ? Non. Je veux que mon corps reste sain. Je veux dire, pur, aucun produit chimique. Saine et pure. Et cette résolution s'applique-t-elle aux hommes ? Tu sais comment ils sont ? Toujours prêts à tester un trou ou un autre ? Je parie que t'es pas la dernière à dire oui. Ça doit être tentant. Surtout si on te donne du fric en échange de cette petite faveur. Tu parles d'une faveur. Non, c'est pas ça du tout. En plus, j'ai quelqu'un. Comme c'est touchant. Et comment vous faites ça ? Est-ce que c'est confortable de baiser comme des animaux dans les parcs ? Sans parler de la saleté. Et en plus, tu n'as rien pour te laver. C'est répugnant. On dirait que la demoiselle a trouvé trop. Par contre, elle a à peine touché à son assiette. Espèce de petite salope. Figure-toi que ça m'a pris des heures pour préparer tout ça. Putain, c'est pas trop tôt. Richard, va acheter ça et trouve-moi une autre, tu veux ? J'en ai bien besoin. Avec ta petite salope. Dépêche-toi, Richard. Charmante. Tu es charmante.
Regarde dans quel état tu me mets. Ça t'excite, hein? Je le sens. Petite salope. Une charmante petite salope. T'es toute mouillée, pas vrai? T'aimes ça, hein? Regarde, on dirait qu'elle essaie de te chuchoter des mots doux à l'oreille. Si tu te mets à crier, ma femme écrasera sa cigarette sur ton œil. Compris? Et t'as vu ça? Notre petite salope en demande. Je l'ai bien choisie, hein, pas vrai? La vilaine petite bouche. Il faudrait que tu la laves de tous ses péchés. Seigneur, libère cet enfant du péché originel. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Te voilà comme neuf. Monte prendre une douche. Laisse-nous entre filles pour qu'on apprenne à se connaître. D'accord. Mais ne t'emballe pas trop, je ne veux pas rater le meilleur. Dépêche-toi. Ça ne te dérange pas qu'on passe un moment toutes les deux? Bien sûr que non. On ne fait que s'amuser. On travaille dur pour garder ce qu'on a. On a le droit de s'amuser pour une fois. Nous avons un métier, une profession. Mais toi, à quoi tu sers? À rien, t'es un parasite. Tu passes ta vie à attendre la charité. Mais nous, on tient à prendre nous-mêmes ce qu'on mérite, ce qui nous revient de droit. On n'attend pas que quelqu'un nous lance quelques miettes. Toi, tu me donnes envie de vomir. T'es plutôt coriace, pas vrai? J'admire ton courage. C'est important, je trouve. Je sais me débrouiller seule, mais Richa, il serait rien sans moi. Si je n'avais pas été là, je suis sûre qu'il serait resté chez sa maman à se faire dorloter. J'ai tracé ma propre voie. Tu me comprends? C'est évident. Ça se voit. En fait, on se ressemble beaucoup. Je dirais même qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Finalement, je t'aime bien.
faut juste que je te dresse un peu. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te plairait, hein? Tu voudrais que maman te dresse bien comme il faut? Regardez-moi ça. On en mangerait. On dirait que ça te plaît, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que... Tu ris ou je rêve? Je vais te faire passer l'envie de rire! On va pouvoir le garder en vie combien de temps? J'en sais rien. Si on le drogue régulièrement, et si on fait gaffe, s'il saigne pas trop, peut-être plusieurs semaines. Comme ça, on aura de la viande fraîche pendant un moment. Nous te remercions, ô Seigneur, pour ce repas que nous allons déguster. Et du coup, je touche plus personne maintenant.
vois un homme pendu dans les airs. Mais il a pas vraiment l'air humain. Et ce qu'on lui a fait, c'est horrible. Mais il va bientôt mourir. Il veut mourir. Je sens qu'il a vraiment mal. Dites-moi ce que vous voyez. On l'a perdu. Emmenez-le. Mettez-le avec les autres. Encore une impasse. Pourtant, il semblait prometteur. Non, les doses étaient trop élevées pour notre patient. Il n'était pas assez fort pour supporter la greffe. Mais je ne vais pas en rester là. Et il y en aura forcément un autre bientôt. Salut, Carla. Écoute, je te l'ai déjà dit. Non, je peux plus. D'accord, oui. Ciao. C'était qui? C'était Sarah. Elle cherche une babysitter. Avec ça, tu devrais me ramener 900. Bon, le H, c'est du marocain. Il est très fort, tu vois? Mais la coke a été coupée avec de la merde, alors t'en donnes pas au régulier. Fais-leur plutôt une réduction sur le speed à la place, compris? Compris. Génial. Et sois prudente cette fois. Salut. Comme la dernière fois. Merci, à plus. Et je risque rien? Non, non, t'inquiète. C'est pas très fort. Éclate-toi. Et voilà. Salut. Allez, amuse-toi bien. Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? T'étais défoncée? Non, non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je t'avais dit d'être prudente, non? J'ai été agressée et on m'a volé le sac. J'ai mal à la tête, Franck. Je vais aller me coucher. Bébé, ça va pas le faire, tu le sais, ça. À chaque fois, il y a un nouveau truc qui merde, Jen. Je sais que tu essaies. Mais franchement, ça va pas le faire du tout. Je vais prendre une aspirine et après, je vais me coucher. Faut que j'y aille. Franck! Bonjour, Franck. Docteur Rhys. Est-ce qu'il est frais? Très. C'est important. Il nous en faut deux fois plus. Ça va être galère. Nous approchons du but. Vous serez bien payés. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. On a toujours besoin d'avoir des hommes pleins de ressources dans mon métier, Franck. Docteur Rhys? Il faut que je vous demande un truc. À propos de ma copine. Je suis une droguée qui se soigne. Du moins, j'essaie en tout cas. C'est très dur. Je parviens à rester clean pendant une semaine ou deux.
Mais ensuite, je suis dans un mauvais jour et... Franck est un homme génial. Mais parfois, je me... Parfois, je ressens une douleur dans le ventre. Et la drogue est la seule chose qui m'aide. Bien, quoi d'autre? Bien. Je me suis prostituée pendant un temps. Combien de temps? Assez longtemps. Je me souviens plus exactement. Plusieurs années. Franck pourrait vous le dire. Franck était votre Mac? Il a pris soin de moi au début. Mais, vous savez, il a pas voulu que je continue une fois qu'on s'est mis ensemble. Donc vous avez arrêté? Pas exactement. J'ai continué au sein d'une agence. Comme ça, Franck n'était pas au courant. Et aujourd'hui? J'essaie de trouver du boulot. Mais c'est pas évident. Je vais vous prescrire quelques pilules. C'est un nouveau médicament très prometteur. Il est très fort, donc n'essayez surtout pas de dépasser la dose. Et je vais aussi vous faire une prise de sang. Vous ressentirez peut-être des effets secondaires, des troubles ou des petites hallucinations. Des sons étranges, des lumières, peut-être des migraines. Rien de très alarmant. Mais vous pouvez arrêter quand vous voulez, évidemment. Jane, si nous travaillons ensemble, nous pouvons vraiment changer les choses. Vous pouvez vous en sortir. Tu le connais bien, le docteur Rhys? Il a l'air de te faire confiance. Je suis son neveu. C'est sûr, ça crée des liens. T'as ton diplôme de secouriste? Oui. Tant mieux, ça te sera utile. Toi, tu seras l'équipe de nuit. Le patient a besoin d'être surveillé en permanence. Assure-toi qu'il crève pas pendant la nuit. Ou tonton Rhys va se fâcher tout rouge. Ça pue là-dedans. C'est pas bon, ça. Pas bon du tout. Les nazis se sont aperçus que ces monstres-là avaient un truc en plus. Ils les coupaient en morceaux, transplantaient leur bite ailleurs, ce genre de truc. Enfoirés dégénérés. Ils ont même tenté de les greffer à des types normaux. Et ça marchait, des fois. Les cobayes vivaient pendant des années. Enfin, bref. Les nazis ont découvert que ce jus de pisse est doté de certaines propriétés. Non seulement ça soignait les autres prisonniers, mais ça leur met la tête à l'envers aussi, d'une manière très spéciale. C'est ça que le docteur Rhys essaie d'étudier. J'étais persuadé qu'il faisait des recherches sur la drogue. Mais c'est ce qu'il fait. Il étudie une drogue vraiment très puissante. Une drogue qui ouvre le troisième œil. Tu sais ce que c'est? C'est le trip le plus énorme qu'un humain puisse supporter sans crever. À côté, les autres drogues, c'est des promenades de santé. Très classe. Évidemment, ça rend encore plus dépendant que le crack. Et ça te bousille le ciboulot à tel point que tu sais même plus comment tu t'appelles. Mais les camés qui planent sont des camés heureux. Et tant que le docteur Rhys empoche son fric, qui va se plaindre? Il y a la sécu pour gérer les problèmes. Et je suis pas pressé de me retrouver sur leur liste de malades. Mais tu trouveras pas ça dans la rue. Ça va être un produit de luxe très exclusif. Bon, c'est pas tout ça, je me casse. Le monstre n'en a plus pour longtemps. Alors faut le chouchouter 24 heures sur 24. Tu restes là et tu fais ton boulot. S'il y a un problème, passe-moi un coup de fil. Mais que si c'est un vrai problème, pigé? Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Là, je t'ai dit non, j'ai raccroché, je fais plus. Bah, tu peux très bien lui envoyer Paula. Je vois.
combien? Oui, bien sûr que j'ai besoin d'argent, mais non. Non, c'est clair? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Non, rien à signaler. Tiens, ton latte d'éca biologique au soja. Quoi? J'ai des allergies. C'est quoi ça? Ouais, un gars a déposé ça tout à l'heure. Non, cette dose, ça va pas du tout. Je sais pas ce que Rhys mijote. Allô? Oui, écoute. Nous, on récolte le jus ici. Ensuite, on te l'envoie. Ton taf, c'est de l'envoyer au labo. Le labo prend le jus et le transforme en cachet. Tu me suis jusque-là? Tant mieux. Ensuite, c'est encore à toi. Tu envoies les cachetons à Rhys, pas chez nous. Tu te plantes à chaque fois. Alors grouille-toi de venir les récupérer avant que Rhys te fasse une ablation des reins. Pas touche. Le docteur Rhys aime que ses instruments stérilisent le reste. Il a de grands projets pour notre petit monstre quand son heure sera venue. C'est pour ça que j'ai amené ces jouets. Pour je ne sais quelle raison, il n'y a que ça qui les empêche de crever. Tiens-moi ça, tu veux. Debout là-dedans. Bon garçon. C'est l'heure de la soupe. Et ça marche à tous les coups. T'es un brave. C'est pourquoi faire la lumière dans ses yeux? À ton avis, c'est pas compliqué. Ça recharge ses batteries, ça l'empêche de dormir, ça permet aux neurones de s'activer. Ça, c'est un grand garçon. Est-ce que ça va? Ouais. Quelle heure est-il? Presque 8 heures. Tu t'es endormi comme une massille. Ça doit être les nouveaux médicaments. J'ai fait des rêves trop bizarres. T'as dû bien te reposer quand même. Ton œil a meilleure mine. J'ai 2-3 courses à faire, d'accord? J'en viendrai en fin d'après-midi. Oui, d'accord. Je ramènerai un truc sympa à bouffer pour ce soir, ok?
plaît, hein? Ah oui! Qu'est-ce qui te fait tant d'effet? Tu t'évanouis en plein milieu. Je paie pas une fortune pour sauter un sac de viande. Je suis désolée. L'agence va avoir de mes nouvelles. Je te paye que la moitié. Alcoolique. Les cachets m'ont aidé à me sentir mieux pendant un moment. Mais maintenant, j'arrête pas d'avoir des migraines. Et je vois ces étranges flashs blancs devant mes yeux. Vous voyez autre chose? Vous pouvez tout me dire. Il y a cet homme, il est enfermé dans une cage. J'ai... On dirait que je peux ressentir ce qu'il ressent. Il ne veut plus vivre. Ces hallucinations sont tout à fait normales. Votre corps a besoin de s'adapter aux nouveaux médicaments. Il est important que vous preniez soin de vous. Comment vous sentez-vous en dehors de ça? Ça va. Ça va. Je me suis remise à travailler. Vous avez trouvé un emploi? Je suis retournée à l'agence. Ah, je vois. Ils appelaient sans arrêt. Pourquoi y êtes-vous retournée? Pour l'argent? Oui. Non. Avant, c'était pour payer ma cam. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de sexe tout le temps. Mais ce n'est pas normal. En fait, c'est comme si j'avais faim tout le temps. Mais je me sens bien. Je ne sais plus du tout où j'en suis. C'est mon travail de vous comprendre, Jen. Comment vous allez faire ? Alors que moi-même, je comprends rien. Oui, bien sûr. Allô, Frank? Oui, la dernière livraison était bonne. Très fraîche. Vous me confirmez qu'il venait bien de donneurs différents? Tant mieux, tant mieux. Je vous appelle à propos de Jennifer. Il est vraiment impératif qu'elle continue de prendre les cachets que je lui ai donnés. Elle entre dans une phase critique du traitement. Elle va peut-être avoir une attitude étrange, elle sera plus détachée, plus distante, c'est tout à fait normal. Quand vous la toucherez, elle va peut-être se débattre. Ce médicament rend les gens très sensibles. Faites-moi savoir si elle semble ne pas aller bien. Je m'inquiète pour elle, elle a beaucoup souffert. Ne la quittez pas des yeux. Jen ? Bébé, ça va? Je suis fatiguée, j'ai la migraine. Où t'étais passée? Je suis sortie avec Pam. T'es sortie comme ça? Comme quoi? T'es ravalé la façade. Je t'emmerde, Frank. J'ai passé un entretien, si tu veux tout savoir. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que... Peut-être que c'est ça qui te colle la migraine. Le docteur Rhys dit que les migraines sont un effet secondaire. Et je me sens mieux quand je les prends. T'as rempilé à l'agence, avoue. Oh, Franck, fous-moi la paix. Réponds-moi. Tu m'as pas entendu la première fois? Je t'ai dit que j'avais la migraine, bordel. Alors fous-moi la paix maintenant, t'es lourd. Non, mais lâche-moi! Pas tant que tu m'auras pas répondu. Ah! Vas-y, fais-le! Je vais le faire, fais gaffe. Ça prouve que t'es comme les autres au final. Tu es faible. Tu l'as toujours été. Fais pas ça. Tu t'en fiches de ce que je fais ou pas? C'est pas vrai. Non, tu préférais quand je le faisais pour toi, c'est ça? Les choses ont changé depuis le temps. On est ensemble. Et on s'en sort bien. T'es plus obligé de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle horreur!
Jen? 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 T'approche pas de moi, Franck! T'approche pas! La soupe est prête. Le meilleur moment de ta journée. Bonsoir. Salut. Balkan ? Oui. Et tu es Karen, c'est ça ? Enchantée. Moi aussi. Merci. Mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Merci. Oh, j'ai un peu de poudre bolivienne pour toi. Oh, ça pimente les c'est choses. C'est une idée géniale. Je suis venu pour un entretien d'embauche et j'ai décroché le poste. Et puis, c'est mon anniversaire en plus. Alors je me suis dit, pourquoi pas aller en ville et passer du bon temps avec une jolie fille. Je suis pas un régulier de ces choses-là. Je fais ça en dilettante, plutôt. C'est la première fois que je passe par cette agence. Ils ont l'air plutôt sympas. Ouais, ils sont gentils. On peut savoir où t'étais passé ? Jen ? Jen, qu'est-ce que... Jen ! Je t'en prie, parle-moi, bébé. Je suis pas en colère, je veux t'aider, c'est tout. Jen, je t'en prie, ouvre la porte. Laisse-moi t'aider au moins. C'est moi, Franck. Ton Francky. Bon sang, pourquoi tu veux pas que je t'aide ? Jen, ouvre la porte ! Ouvre la porte, putain, t'entends ? Oh merde ! Brouille ! Allonge-le par terre, allez ! Chope le défibrillateur ! Je suis là, bébé. Je suis là, tiens-moi. Je vais aller chercher l'aide, d'accord ? Écoute, je dois te faire vomir cette saleté, ma belle. Je vais aller te chercher de l'eau salée. Je vais te chercher un petit verre. Accroche-toi. Jen! Docteur Rhys, c'est Franck. Je vous en prie, vous devez venir tout de suite, c'est Jen. Oui, c'est ça, elle a pris ses foutus cachets que vous lui avez donnés. Ton oncle va être vénère quand il le saura. Appelle-le.
Elle va bien? Oui. Oui, merci, docteur. Vous êtes un ange tombé du ciel. Oui, tant qu'elle va bien. Je pourrais la voir quand? Oui, ce serait génial. D'accord. Oui, je... ça doit être eux, justement. Est-ce que je dois amener quelque chose? D'accord. Oui, bien, écoutez, il faut que j'y aille. Merci, doctoris. Merci. Oui. Oui. Tout va très bien. Elle n'a que... Bien sûr. Ça. Ça n'a causé aucun problème. Oui. Ce sera fait, docteur Rhys. C'est trop dur. Je parviens à rester clean. Une semaine ou deux. Mais ensuite, je suis dans un mauvais jour et... Frank est un homme génial. Mais parfois... Parfois, je ressens une douleur dans le ventre. Et la drogue est la seule chose qui m'aide. Et parfois, j'ai l'impression d'être prise au piège. En réalité, je suis prise au piège toute seule. Et je dois trouver une issue. Il faut que ça cesse. Je dois changer. Mais comment je fais ça? Comment fait-on pour changer de vie, docteur? Vous pouvez m'aider? Blatt et Becker, bonjour. Blatt et Becker, bonjour. Blatt et Becker, bonjour. Blatt et Becker, bonjour.
va ? Salut. T'as commencé à manger sans moi. Je savais pas quand t'allais rentrer. Tu me fais à manger ? Tu peux te débrouiller toute seule, hein ? J'ai bossé toute la journée. Laisse-moi finir mon assiette et j'y vais. Et en attendant, je fais quoi, hein ? J'ai pas envie de te regarder bouffer. Je sais pas, moi. Regarde la télé ? Non, j'ai trop faim. Je veux pas regarder la télé. C'est bon, t'énerve pas. On peut partager si tu veux. Et puis quoi encore ? J'ai pas envie de me taper tes restes. Je suis désolée. Excuse-moi, Pete. J'ai pas envie, Claire. Mais tu sais même pas où je veux t'emmener. J'ai pas envie d'y aller ce soir. On le fera une autre fois, d'accord ? S'il te plaît. Tu sais ce qui me ferait plaisir ? Ce serait que ce soir, on reste dans la chambre. Lâche-moi, putain ! Claire est bonne. C'est quoi cette question de merde ? Alors ? Non, je peux pas répondre. Si, vas-y, je veux savoir. Non, désolé, vieux. Ça va me retomber sur la gueule. Si je dis oui, ça veut dire que je veux me taper la copine de mon meilleur pote. Mais si je dis non, ça veut dire que c'est un cajot. En gros, quoi que je dise, y a pas de bonne réponse. Allez, quoi, je veux juste savoir ce que tu penses d'elle. Tu la trouves bonne ? T'es sourd ou quoi ? J'ai pas l'intention de répondre. Ça va forcément me retomber dessus. Mais arrête, je te jure que je vais pas m'énerver. T'es vraiment con des fois, tu le sais ça ? C'est ce qui était prévu. Mais comme t'étais pas d'accord, je suis resté ici. Non, ça m'est égal. Vas-y si tu veux. Il s'est déjà barré. Bah, appelle-le. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Avec le groupe, on va en boîte. Ils font un after et ils m'ont invité à venir avec eux. Et moi alors, je peux pas venir ? Essaie d'appeler Al avant qu'il monte dans le métro et aller boire une petite bière. Il est trop tard. Allez, vous vous amuserez mieux sans moi.
Quel connard! Espèce de petite merde! Lève-toi! Et ça t'amuse de pisser sur mes affaires, hein? Tu vois, petit connard! Allez, mets ton masque! Je t'ai dit de mettre ton masque, bordel! Faut tout faire soi-même! Dépêche-toi! Franchement, tu me donnes envie de vomir! Viens par là! Allez, viens voir ce que t'as fait! T'es vraiment dégueulasse! Allez, dépêche-toi! Regarde, t'es content de toi? Je t'interdis de pisser sur mes sous-vêtements, est-ce que c'est bien compris? Sinon, maman va se mettre en colère! Et t'aimes pas ça, hein? Vas-y, lèche ta pisse, tu me donnes envie de vomir! Espèce de sale con! Sérieux, c'est qui l'imbécile qui a eu l'idée de titulariser James? C'est une passoire. Salut, Pete. Ça va? Je pensais pas que tu viendrais ce soir. Et pourquoi? Parce que tu t'es couché tard hier. Ouais, mais j'ai dû me lever tôt pour faire la lessive. C'était cool aujourd'hui? Ouais, tranquille. Ouais. Je prends la même chose que d'habitude et un gin tonic pour Lucie. Ça marche, mais cette fois tu payes. Mais je touche mon salaire que dans une semaine et il ne me reste plus que 50 livres pour tenir jusque-là. Non, désolé, Jill veut plus que j'offre des consos. Je pourrais recommencer dans quelques semaines, mais ce soir c'est trop risqué. 6 livres et 25, s'il te plaît. Merci, chérie. Je te préviens, tu vas pas me refaire ce coup-là. Tu vas me donner l'argent tout de suite. Quoi? Allez, je plaisante pas. Je te paierai plus tard. Non, tu vas me payer tout de suite. Ça fait 6 livres 25, s'il te plaît. Arrête, on verra ça la maison. Non, tu vas me filer le fric tout de suite. Sinon, je te jure que ton putain de verre, je vais te l'exploser sur ta jolie petite gueule et je me ferai un malin plaisir à te regarder te vider de ton sang. Verre avec la monnaie, mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, fais pas ça. Est-ce que je peux t'aider au moins? Claire. Ta gueule.
Tu veux que j'aille mettre le masque? Je te laisserai faire tout ce que t'as envie de faire. Ta gueule, j'essaie de me concentrer. Des fois, je me dis que je mérite pas d'être avec toi. Ouais, des fois, je me dis exactement la même chose. Espèce de salaud. Hé hey. Que t'aies jamais eu de copine? Comment ça? J'en ai eu des tonnes. Je les ai jamais rencontrées. C'est normal. Je reste jamais très longtemps avec elles. Pourquoi? J'ai une trop grosse bite. C'est vrai? Non, je plaisantais. Je parie qu'elle est plus grosse que la tienne. Claire! Quoi? Tais-toi, s'il te plaît. Reconnais-le, la tienne, elle est mignonne, mais pas énorme. Arrête de parler de ça. C'est vrai qu'elle est pas grosse. Va te faire foutre! Ça va, t'énerve pas. Alors, t'as une copine en ce moment? Non, je suis célibataire. C'est dommage. Non, c'est cool. Est-ce que tu veux une autre bière, Al? Je veux bien, merci. Va nous chercher des bières. Vas-y, toi. Je discute avec notre invité, alors tu peux y aller? Non, j'ai pas fini la mienne. Et je crois que vous avez déjà beaucoup trop bu, vous. Et je t'ai pas demandé ton autorisation. Fais ce que tu veux, moi je bouge pas. Et vous embrouillez pas, les gars. Je vais y aller. Je t'apporte une autre bière? Ouais, merci. Ok. Je vais te montrer où c'est. Allez, vas-y. Parle-moi de ta dernière copine.
C'était une crevette, cette nana. Tout était bon sauf la tête. Tu me fais trop rire. Et j'en ai bouffé du thon aussi, je te dis pas. Je suis un expert des fonds marins maintenant. Et t'as déjà fait un plan froid ? J'ai jamais eu l'occasion. C'est vrai ? Mais un jour peut-être, qui sait ? Salut. Ça va ? Ah, merci. Voilà ta bière. Merci. Al me disait qu'il avait jamais eu l'occasion de faire un plan à trois. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. C'est un de tes fantasmes aussi, pas vrai ? Pas avec un mec. C'est donnant-donnant. Je sais que Lucie te trouve mignon, alors... Tu parles. Si, si, elle serait sûrement partante. Mais elle est pas là ce soir. Je peux toujours l'inviter à venir demain. Mais avant, faut que je couche avec Al, c'est ça ? Ah non, merci, je veux pas avoir ses couilles dans la gueule. Pourquoi tu voudrais avoir ses couilles dans la gueule ? Où est-ce que t'es allé chercher ça ? Allez, viens. Pete veut pas se joindre à nous. Un petit pétard. T'es sérieux ? Ouais, vas-y. Prends tout ce que tu veux. C'est parfait. Pete ? Pete ?
Qu'est-ce que tu fais? Je démonte la niche, ça se voit pas. Mais pourquoi? Arrête, tu peux pas faire ça. C'est notre petit jeu à nous, il y a que toi qui comprends. Elle pourra peut-être comprendre. Mais on faisait ça pour nous deux. Soyons honnêtes, c'est pour toi que je le faisais. Mais ça te plaisait, non? Avant, oui, mais plus maintenant. Moi, ça me plaît encore. C'est ça le problème, Claire. Il n'y a que ta petite personne qui compte. Sauf que dans un couple, on est deux. Continuer au lit? Pas vraiment. Pourquoi tu fais la tête? Salut toi, ça fait longtemps que t'étais pas venu. Ouais. Il me fait une petite signature? Où est-ce que je signe? J'ai été pénible ces derniers temps, alors je veux me faire pardonner. Du champagne? Tiens, c'est pour toi. Tu m'as fait un cadeau? Merci.